Comment ça va? Bienvenue à l'église de Portailles. Si vous nous visitez pour la première fois, très heureux euh, très heureux de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, nous terminons le deuxième segment de notre étude sur l'Épître aux Romains. Euh, on a passé, maintenant, on a eu 19 prédications sur l'Épître aux Romains. Donc, on a vu les chapitres 1, on termine les chapitres 8 aujourd'hui. Il y en a 16. Euh, c'est quand vous regardez sur YouTube, vous écoutez les messages, c'est environ 14 heures de prédication. Bonne journée. Donc ça, ça veut dire que tu peux aller à New York, tu peux revenir et tu vas encore entendre prêcher Jésus dans l'Épître aux Romains au portail. Et la série se nomme Fide, qui veut dire par la foi seule. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé non pas par nos œuvres, mais par la foi. Supposons que je vous annonce la bonne nouvelle, que l'Église paye une croisière à tout le monde. On le fera pas, c'est pas légal! pas légal, on n'a pas le droit de faire ça. Mais supposons qu'on part en voyage. OK, on rentre dans la vie, on rentre dans, dans le bateau et il euh, y a une tempête incroyable, puis ça chahute de tous côtés. On va réagir de manière différente. Il hein, y a des gens, tu vas te mettre en petite boule. Il y a des hommes barbus tatoués, tu vas pleurer. D'autres vont être malades. Certains vont être pleins de confiance, vont dire béni soit l'Éternel, tu vas chanter, tu vas... On va réagir différemment, mais est-ce qu'on va se rendre à bon port? Oui, parce que notre sécurité n'est pas dans notre foi, elle est dans le bateau. Maintenant, nous allons se rendre dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que notre sécurité n'est pas dans la grandeur de notre foi, mais l'enjeu en à qui on met notre foi. Donc, nous sommes sauvés par la foi, mais l'apôtre Paul, on le la semaine dernière, enseigne que nous sommes aussi préservés par la foi. OK, portail, est-ce qu'on croit qu'on est sauvé par grâce? Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais sauvé par grâce, c'est-à-dire que Dieu m'arrachait des ténèbres et de l'enfer par grâce. Puis après ça, il me laissait, il me disait, débrouille-toi. Maintenant, le Dieu qui nous sauve par grâce est le Dieu qui nous maintient par grâce. Et tout ça par notre foi seule et Paul a parlé de différentes choses. Donc, on a vu la semaine dernière cinq affirmations. On a vu ensuite, après cinq affirmations, on a vu cinq convictions et on va voir aujourd'hui cinq questions. Donc, premièrement, cinq convictions du chrétien. Dans Romains 8, 28, 28 l'apôtre Paul va dire cinq choses, qui sont des, des, des convictions que nous avons tous, les chrétiens ont tous. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a cinq affirmations. Premièrement, Dieu agit. Merci pour une personne que Murmuré, pour les autres. Nous ne croyons pas que notre Dieu est inactif. Notre Dieu ne dort pas, notre Dieu n'est pas apathique, notre Dieu ne laisse pas le monde sous contrôle, ne laisse sur le pilote automatique. Notre Dieu contrôle le monde. Dieu agit, non seulement Dieu agit, Dieu agit dans toutes choses. Aucune tragédie, aucun péché, aucun drame n'est hors de la main de Dieu. Troisièmement, Dieu agit en tout pour le bien. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est bon. Dieu ne fait jamais quelque chose pour le mal dans la vie de ses enfants. Est-ce que je peux entendre Amen? Et c'est justement tout concourt au bien quatrièmement de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici. Maintenant, Jésus dit aimer Dieu, ce n'est pas dire Amen, ce n'est pas avoir de, une émotion d'amour envers Dieu dans ton cœur. Jésus a dit si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Quelqu'un qui aime Dieu honore la parole de Dieu. Et la Bible dit non seulement de ceux qui aiment Dieu, mais qui sont appelés selon Son dessein. Le chrétien croit que son histoire ne commence pas le 17 septembre 92 lorsqu'il reçoit Jésus. Il croit que Dieu a un plan éternel pour lui. Est-ce que je peux entendre Amen » Et l'apôtre Paul va donner cinq affirmations. Il va dire que le chrétien a été connu d'avance par Dieu. Est-ce que des gens comme moi, vous avez la Bible de votre conversion dans votre Bible? Vous avez la date de votre conversion dans votre Bible? Après, nos amis qui nous visitent, ils disent, oh, conversion, c'est un gros mot. De la même manière que tu convertis des devises dans une autre monnaie étrangère, la conversion, c'est lorsque Dieu t'amène de vivre sans lui, à vivre pour lui. Donc, moi, dans ma Bible, j'ai une date où j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je sais que mon histoire commence dans l'éternité passée. Parce que la Bible nous dit que Dieu, que ceux a connu d'avance, il les a prédestinés, destinés d'avance, il avait un plan d'avance pour toi. Il y a des milliards d'années, Dieu a pensé à toi. Quelqu'un va dire, ben là, c'est beaucoup des milliards d'années. Dieu est Dieu, Dieu est éternel. Il y a des milliards d'années, Dieu a établi un, un plan pour gaetan brasseur. Personne ne dit oh Amen, c'est correct. Parce que c'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que je suis fin, c'est pas parce que je suis spirituel, parce que je suis saint, c'est par grâce. Je ne le mérite pas. Dieu que ce Dieu que ce... Ceux que Dieu a connus d'avance les a prédestinés, ceux que Dieu a prédestinés les a appelés, ceux que Dieu a appelés les a justifiés, est-ce que des gens ont été justifiés de tes péchés? La Bible dit que ceux-là, Dieu les a glorifiés. C'est-à-dire, le chrétien, nous avons l'assurance que Dieu va nous amener à bon port. Alors qu'on est dans le bateau, alors qu'une tempête, alors que ça brasse, alors que notre foi vacille, nous savons que Jésus nous mène à bon port. Amen. Et c'est pourquoi, après avoir parlé de la sécurité de salut, l'apôtre Paul va, va poser cinq questions. Vous savez, j'ai déjà lu le, un reportage de, des alpinistes qui ont, euh, qui ont escaladé une montagne puis ils ont embauché un sherpa, donc pour euh, un guide pour les amener jusqu'en haut. Et en montant, ils étaient tous attachés un à l'autre. Et à un moment donné, il y en a un qui a perdu pied. Et là, il a commencé à descendre. Il a entraîné les autres dans sa chute. Pendant quelques secondes, c'est la panique, parce que tu te sens partir, jusqu'au moment où... Pourquoi? Parce que le Sherpa a tenu bon. On peut chuter, mais Jésus tient bon. C'est attaché à Jésus, Jésus te garde. Est-ce que je peux entendre « amène » à ça? Amen. Et Vous savez, la Bible, il y, y a deux perspectives au salut. Hein. Nous avons une responsabilité humaine. Tu as la responsabilité de te repentir et de croire en Jésus. Dieu ne va pas se repentir à ta place. Mais la Bible dit également qu'une perspective divine, vous savez, pendant longtemps, euh, je regardais à ma vie. Puis à un moment donné, quand j'ai compris la grâce de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Et puis, il y a des débats théologiques. Est-ce qu'on peut perdre notre salut, pas perdre notre salut? Puis la parole de Dieu n'est pas dans un débat théologique, elle est dans un encouragement pratique. Tu as le droit d'être en désaccord, mais moi, là, ma conviction personnelle, si je pouvais perdre mon salut, je suis assez bon pour le perdre. Je suis capable de faire ça. Et si aujourd'hui, j'ai la conviction d'être sauvé, ce n'est pas parce que je garde mon salut, c'est parce que j'ai la conviction que Jésus me garde. La grâce est plus puissante que ce qu'on pense. Je ne suis pas assez solide pour garder mon salut sans la grâce de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que Paul dit. Paul veut encourager en fait, ce n'est pas un débat théologique. Il va encourager des chrétiens qui sont fatigués, des chrétiens qui sont tannés, des chrétiens qui ont le goût de lâcher. Vous savez, il y a des fois et des saisons, où on a le goût d'abandonner, soyons honnêtes. Des fois, on est fatigué. Et Paul veut encourager, la parole de Dieu va encourager les chrétiens en disant Mon ami, ne perds pas courage, Jésus te garde. Jésus te garde. Et maintenant, après avoir pour établi cinq affirmations, cinq convictions, maintenant, il va poser cinq questions, laisser sans réponses. Pour démontrer que ton salut est beaucoup plus solide que tu penses, à toi qui souffres, à toi qui es dans l'épreuve, relève la tête. Relève la tête. Dieu a un plan pour ta vie. Donc, le titre de ma prédication ce matin, pendant que vous tournez dans Romains 8, le verset 31 à 39, le titre de ma prédication ce matin, Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. On termine cette section, Romains 8, avec une perle de la parole de Dieu. Un des textes les plus connus, très riche, hyper encourageant ce matin. Voici ce que dit la parole de Dieu. Verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet donc, par rapport à la sécurité de notre salut? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera Le Christ Jésus, est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ La tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit À cause de toi, là, on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer le Seigneur pour sa grâce dans nos vies? Wow, wow. OK. Cinq questions que la parole de Dieu pose. Qui sera contre nous? Évidemment, on parle, on prend pour acquis. On est au chapitre 8, donc il y a un fondement. Des gens qui ont reçu Jésus, des gens qui se sont repentis. C'est ce n'est pas ton cas, fais-le. Confie-toi en Jésus, tu as besoin de Jésus pour le pardon de tes péchés, pour l'assurance de la vie éternelle, pour trouver le sens à ta vie, ce pourquoi Dieu t'a créé. Et la Bible prend pour acquis? Que les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Cinq questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu Jésus ici? Qui sera contre nous? Maintenant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas comme ça que la, la, le, le verset n'est pas tout, parce que si nous sommes honnêtes, vous savez, des chrétiens, on ne vit pas dans un monde de licorne. Il y a plein de choses contre nous. Soyons honnêtes. Hein? Il y a plein de choses contre nous. Euh, le diable est contre toi. Le diable rôde comme un lion rugissant, nous dit la parole de Dieu, cherchant qui dévorait. Le diable te voit et il se pourgélèche les babines. Le diable aimerait bien te dévorer. Donc il est contre toi, le diable n'est pas ton ami. Le monde est contre nous. Jésus dit que ce monde qui l'a rejeté a de la haine pour ceux qui vivent dans la lumière et qui glorifient Jésus. Le monde souvent est contre nous. Des fois ton propriétaire est contre toi. Des fois ton patron est contre toi, ton collègue est contre toi. Vous savez, Jésus dit aimez vos ennemis. Donc ça sous-entend que tu vas avoir des ennemis. Bienvenue à l'Église de Portail. Tu es chrétien ni nouveau, ça risque. tu peux avoir des ennemis. Hein, il y a du monde pour plein de raisons, il y a des injustices, la Bible dit, aimez vos amis. Donc, des fois, ton propriétaire, ton patron, ton voisin a quelqu'un contre toi. Des fois, même les gens de ta maison sont contre toi. Jésus a dit, malheureusement, qu'il est venu amener la division dans les maisons. Il y a des gens parce que tu es ici ce matin, ton mari n'est pas content. Il y a des gens parce que tu es ici ce matin. Tes enfants se moquent de toi. Il y a des gens, parce que tu te tiens pour tes convictions dans ta maison, ça crée de la bisbille, parce que tu veux simplement honorer la parole de Dieu. Amen. Donc, ta maison peut être contre toi. Quelquefois même, la nature est contre nous. On a vu la semaine dernière que la, la, la création soupire après les douleurs de l'enfantement. Il y a des gens, Haïti 2010, tremblement de terre. Il y a des gens de l'Église qui ont perdu des proches. On pourrait donner plein d'exemples. La nature est contre nous. La mort est contre toi. Et la Bible dit même que, dans le Nouveau Testament, souvent de fois, Dieu contre le pécheur il va dire Je suis contre vous. Donc, la parole ne dit pas Personne n'est contre nous. La parole dit Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Mon ami, est-ce que Dieu est pour toi Comment faire en sorte que Dieu est pour toi Paul l'a enseigné Par nature, nous sommes ennemis de Dieu, par nos péchés, nous sommes des rebelles, mais par l'œuvre de la croix, Jésus nous réconcilia avec le Père. Hein, J'ai déjà raconté que j'avais lu il y a plusieurs années avant Internet en Espagne. Il y a un père qui était en, qui était en, en froid avec son fils. Son fils s'appelait Paco et euh, il a mis une annonce dans le journal de Madrid en disant "Paco, c'est ton père. Je veux qu'on soit réconciliés. Rejoins-moi devant le journal, le journal de Madrid dans lequel était parue la petite annonce, ce dimanche à 14 heures." Et lorsque le père est arrivé, pour espérant que son Paco a lu l'annonce, il y avait 400 pacots devant le journal. Nous sommes des pacots spirituels qui avons besoin d'être réconciliés avec notre Père céleste. Et c'est en Jésus qu'on est réconciliés. Donc, si Dieu est pour toi, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas contentes, ça veut juste dire qu'elles n'ont pas d'emprise. Et des nouveaux voisins qui sont déménagés dans, dans notre quartier, puis je prends une marche, puis un petit bonhomme, 4 ans, je ne le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Lorsque je tourne le coin, je passe devant sa maison. Il arrive avec son tricycle devant moi, puis il me dit tu peux pas passer. Puis il me fait un doigt d'honneur. Oh mon petit bonhomme, oh mon petit bonhomme. Puis là, il me dit "Là, moi je vais le contourner, je l'ignore, je t'ai dit que tu peux pas passer." Je veux pas me vanter là, mais un petit bonhomme de 3-4 ans, ça m'impressionne pas. Dieu veut pas se vanter. Mais la mort, le diable et le monde, ça ne l'impressionne pas. Il est créateur de l'univers. Il contrôle toutes choses. Ce qui est pour toi un géant, pour Dieu est un enfant de trois ans. Et il n'y a rien qui arrive dans la vie du croyant sans que Dieu le permette. Est-ce que je peux entendre Amen? Hein, Jésus va dire à l'apôtre Pierre il dit, Satan vous a réclamé. Il l'a demandé. Parce que Dieu, si tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu qui contrôle ta vie. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne! Deuxième question. Et ce Dieu-là, comment ne va-t-il pas nous donner tout? Lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera pas tout aussi avec lui? Par grâce. Okay, ce Dieu-là, t'aime tellement qu'il a donné son fils. OK. Je ne veux pas vous faire de peine, Église. Vous savez que je vous aime. Je suis privilégié d'être pasteur ici. J'aime mes brebis, vraiment. Je, 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 j'ai beaucoup d'amour pour vous. L'équipe pastorale a beaucoup d'amour pour vous. Mais je donnerais mes enfants pour aucun d'entre vous. Je ne veux pas te faire de peine, mais mettons que quelqu'un t'arrive, te prend en otage pour me dit Pasteur Gaétan, si tu veux libérer ce membre, livre un de tes enfants. Dit, je vais prier pour toi. <laughs> Pourquoi? Parce que mes enfants, c'est plus précieux. Même que ma propre vie. En quel parent on donne le choix? C'est la mort de ton enfant ou c'est toi, tu t'es mieux mourir que ton enfant? Et c'est en ce sens, sens qu'on comprend que quand le Père a donné le Fils, c'était le plus grand des sacrifices. Donc le Père, lui qui n'a pas épargné son Fils, et non seulement il l'a donné, c'est important de comprendre, okay, que le Père et le Fils ont fait une alliance, ça s'appelle l'alliance de la rédemption. Jésus n'est pas une victime. Jésus est volontaire dans l'éternité passée, alors que Dieu est Dieu qui connaît l'avenir. Le Père dit au Fils, tu vois cette humanité qui va se révolter contre moi, qui va devoir subir une peine, une mort éternelle, une ruine éternelle. Et Jésus de dire, Père, laisse-moi aller sur la terre, je vais les racheter. Et le Père de dire, Ma justice doit être satisfaite jusqu'à complètement, sinon je serais, je serais injuste et je ne peux pas être Dieu. Et Jésus de dire, laisse-moi aller expier leurs péchés, Ma justice est suffisante. Et finalement, il y a une alliance de rédemption. Et ce Père n'a pas épargné son fils. Voyez quel amour le Père a pour nous, Amen. Et maintenant, voici l'application. Lui qui n'a pas épargné son fils. Comment ne va-t-il pas nous donner tout aussi avec lui? Vous savez, des chrétiens, on vient à Jésus, puis on est content pour notre salut, puis il y a comme, on fait une dichotomie entre notre vie éternelle et la vie temporelle. Puis on a l'assurance d'avoir la vie éternelle, mais on doute pour les petites choses du quotidien. C'est comme, imagine un homme ou une femme riche qui donne un milliard de dollars. C'est si y a quelqu'un ici, levez-vous. Moi, j'accepte. Quelqu'un qui donne un milliard de dollars, est-ce que tu vas être timide, gêné? Est-ce que tu vas douter de lui demander un dollar pour t'acheter une bouteille d'eau? Non, parce que, écoute, un milliard, c'est rien. Maintenant, je veux juste te dire que, je le dis avec respect, nos besoins qui nous semblent énormes pour Dieu, c'est rien alors qu'il nous a donné son Fils. Dieu nous a donné un milliard, le plus grand des trésors, et ce Dieu-là promet de pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Est-ce que vous avez déjà été dans une épicerie à Cuba? Est-ce que c'est comme ici? Moi, j'ai des amis, pasteurs cubains. Euh, quand ils sont venus au Québec, la famille est rentrée dans une épicerie. Ils ont failli s'évanouir. Littéralement. C'est comme, comme. Ils couraient dans les rangées. C'est comme. Quand tu es dans un paradigme où tu manques de tout, c'est dur de t'imaginer d'être dans un endroit d'abondance. Alors qu'on a vécu tellement longtemps sans Dieu, c'est difficile de comprendre quand on est en Jésus combien ce Dieu-là est généreux envers nous et combien il peut prendre soin de tous nos besoins. Il y Et c'est ce que la Bible dit. Ce Dieu-là qui a donné Jésus, à toi qui as un besoin aujourd'hui. Vous savez, les besoins, ce n'est pas juste matériel. Des fois, c'est des besoins spirituels, des besoins émotionnels. À toi qui as un besoin. Dis-toi que ce besoin-là, c'est un dollar pour le Dieu qui t'a donné un milliard en Jésus. Il est fidèle, il est généreux, il est riche, il est gracieux. Et Paul continue en disant troisième question Qui accusera les élus de Dieu Ok, ben moi j'en ai un le diable. Le diable, diabolos en grec veut dire le calomniateur, l'accusateur. La Bible nous dit qu'il devant Dieu il accuse. Les chrétiens, jour et nuit. OK? Le diable est un stool. Okay, toi dessus. quand tu pèches, je pense que personne ne voit. Un dieu te voit, puis le diable te stoule. À l'heure actuelle, le diable parle dans ton dos. Puis il présente tous tes péchés. sais -tu, qu est -ce, qu est ce qui arrive? Même si tu es un menteur, quand il présente devant Dieu tous tes péchés, le pire, c'est qu'il a raison. C'est ça, le pire. Donc, le diable dit, as-tu vu? Hey gars. Elle est à l'église ce matin, elle a levé ses mains bien haut pour chanter le nom de Jésus. Mais regarde qu ce qu'elle a fait cette semaine. Belle hypocrite. <laughs> regarde l'autre, il est à l'église. Tu as vu hein? cette semaine tout ce qu'il a regardé sur Internet? Puis l'autre qui dit gloire au nom du Seigneur, regarde qu ce qu'il fait à sa job. Hein? Puis regarde la gang qui travaille au noir là-dedans. Puis regarde l'autre dans saison des impôts, qui fait des petites choses croches. Puis tu sais, le mari qui est à l'église, qui là, il tient la main de sa femme, et regarde comment ce qu'il lui a parlé cette semaine. Puis regarde tel chose. Puis le P, c'est qu'il a raison. Il nous accuse jour et nuit. Mais la Bible dit encore une fois Qui accusera les élus de Dieu C'est quoi la réponse Bien, c'est Dieu qui justifie. Ça veut dire quoi OK. Vous savez, au portail, les pasteurs, on a un compte de dépenses, on a une carte de crédit. Euh, des fois, il y a des achats, il y a des trucs qu'on doit faire. Pis, euh, mais on doit justifier toutes nos dépenses. Okay? On est ce genre d'église. Quelqu'un devrait dire Amen. Ou les pasteurs doivent justifier les dépenses. OK? Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, OK, tu dois justifier tes, tes dépenses à tous les mois. Puis s'il n'y a as pas une facture, tu dois rembourser, tu dois payer de ta poche. Moi, qui croyais que c'était une église de la grâce. Portail, on est très gracieux, sauf au niveau de la comptabilité, OK? Alléluia! Et moi, je dois, même si je suis pasteur principal, je dois justifier toutes mes dépenses. Donc, pour chaque dépense de ma carte de crédit, je dois fournir une facture. Je dois fournir une facture. Sinon, je suis dans le trouble. Maintenant, le diable arrive. Le diable regarde ton compte Visa, Mastercard, peu importe, puis. Peu importe, tu es dans le trouble. Là, tout tes péchés, tes péchés, tes péchés, tes péchés. Et à chaque fois qu'il devant Dieu, voici ce qu'elle a fait, qu'il nomme ton péché. Jésus arrive avec une facture en disant, « J'ai payé ça à la croix. 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 » Et c'est pourquoi la Bible dit, as-tu remarqué, « Qui accusera non pas les chrétiens ou les enfants de Dieu, les élus de Dieu. » Ah, hein, c'est pas pareil. Je reviens à l'introduction. Les élus de Dieu. Pourquoi parce que quelquefois aussi, notre cœur nous condamne. Est-ce que je suis seul? Des fois de temps en temps, je trouve que je ne suis pas un bon chrétien. Que tous ceux-là, dans la dernière année, au moment où tu réalises que tu n'es pas à la hauteur, tu es un mauvais chrétien, lève la main. Ok, baisse ben la main. Que tous ceux qui pensent qu'ils sont vraiment des super chrétiens parfaits, lève la main. On, on veut te voir. Parce que tu as besoin d'aide. Tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ah, nous sommes des pécheurs justifiés par grâce, mais nous sommes encore par expérience des pécheurs. Puis la réalité, c'est que, quand on regarde les élus de Dieu, c'est qu'on s'accuse. Puis la parole de Dieu veut, veut te dire que ton salut est, est, dépasse que dans tes mains. Dans l'éternité passée, Dieu t'a élu. Donc, il y a quelque chose comme de rassurant de savoir comme, OK, si Dieu, dans le passé, savait tous les péchés de Guéta-Brassard, puis il a mis un plan en branle pour me sauver malgré tout, wow! Donc, je ne peux pas me condamner d'un péché que Dieu me pardonne. Et puis il y a des gens comme ça qui sont ici. Tu as besoin d'arrêter de te sentir coupable d'un péché que Dieu te pardonne, un péché que pardonne-toi les péchés que Dieu te pardonne. Et c'est ce que ça dit Dieu est celui qui justifie. Qui, qui accusera les élus de Dieu Élus de Dieu. Pourquoi C'est Tim Keller qui dit que dans le christianisme, le christianisme, c'est le seul endroit où tu le verdict avant la performance. Je l'ai souvent dit OK, dans la vie, tu as une performance, puis après ça, tu as un verdict. Hein? C'est-à-dire que tu tu réussis les examens, tu as le diplôme. Tu remportes l'épreuve, tu as la médaille. Tu produis ton rapport d'impôt, tu as le retour d'impôt. Pour certains. Mais imaginons que le gouvernement dit, pas besoin de faire vos impôts. À tout le monde, on envoie 10 000 dollars de retour d'impôt. Alléluia. Donc tu vois, on donne la performance, on donne le verdict avant la performance. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus avant que tu aies fait quoi que ce soit, il dit je te donne le diplôme, je te donne la médaille d'or, je te donne le retour d'impôt par grâce. Wow! Ça veut dire que alors que tu te remets en question, tu te rappelles que l'œuvre de grâce dans, de Jésus dans ta vie est plus profonde que tes œuvres. Ce que je peux entendre vraiment amène à ça. Donc voici ce que dit la parole de Dieu. Donc qui nous accusera Il continue. Qui nous condamnera Regarde le verset 34. Donc, verset 33, qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. Amen. Quatrième question, qui les condamnera Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il n'est pas juste mort, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Wow. Okay. Qui nous condamnera Encore une fois. On continue avec la thématique de la dernière question, c'est que souvent, de fois, on se condamne nous-mêmes. Des fois, les autres nous condamnent. Alors, vous savez, des fois, on fait des, des fois, on pêche, on fait des erreurs, et les autres nous font payer pour nos péchés, pour, ouais, pour nos péchés et nos erreurs. C'est quoi une condamnation? C'est une punition. Vous savez, lorsqu'on ne se pardonne pas un péché que Dieu nous pardonne, ou lorsqu'on on ne pardonne pas un frère ou une sœur qui nous a offensés. C'est un peu comme, vous savez, sur Internet, souvent, sur les réseaux sociaux, il y a des photos de famille. Ah, moi, je me souviens, là, on mettait des photos de famille. Puis là, tout le monde est comme, ah, wow, quelle belle famille, parfaite. Toi, tu ne sais pas que c'est la 24e photo qu'on prend. Ah, c'est drôle, parce que souvent dans les photos, avez-vous remarqué, quand tu veux mettre une photo, puis plus que tu de monde, plus que c'est compliqué, parce que jamais personne, que ça soit meilleur. Hein, tu toujours la femme qui a les yeux fermés, le fils qui a la bouche ouverte, l'autre qui Puis moi, ça me fait rire parce qu'on mettait des photos, puis là, comme, wow, la belle famille, parfaite. Mais si, vraiment, l'histoire derrière, c'est que tout le monde est fatigué, tout le monde est tanné, on ne trouve pas une belle photo. Puis là, le frère et la soeur se chicanent. Puis là, puis là moi, je me fâche. « Hey, soyez gentils, j'ai besoin d'une belle photo pour avoir l'air d'une belle famille. <laughs> » Puis vous savez, quand tu regardes dans tes photos, des fois, tu as comme un, 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 une photo, un flash qui est pris dans un mauvais moment. Et quand on refuse de pardonner quelqu'un, c'est qu'on a cette image en tête, c'est-à-dire on, on a l'image, la mauvaise photo en tête, c'est-à-dire on résume une personne à sa moins bonne journée. Quand on refuse de se pardonner, c'est que la manière qu'on se voit, c'est qu'on voit qu'en cette photo, on a les yeux fermés et la langue sortie, c'est qu'on se résume, on résume notre identité, notre valeur à l'épisode le moins glorieux de notre vie. Alors que Jésus te dit, tu es beaucoup plus que cette pire photo. Il pardonne, il restaure, il nettoie, il transforme, il change. Et quand tu comprends ça, tu réalises que tout à coup, il n'y a plus de condamnation. Parce que la condamnation, on se condamne quand on, on dit, voici ça, c'est moi. Non, ce n'est pas toi. C'est une mauvaise version de toi-même. Jésus fait une meilleure version de toi-même. Et ce Jésus, la Bible dit qu'il nous condamnera, il est mort. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de condamnation pour nos péchés? Parce que Jésus est mort pour expier nos péchés. Vous savez, j'ai raconté ici que dans les dernières années, on a eu plusieurs épreuves au niveau des assurances. Hein, ma voiture s'est fait pulvériser par un arbre euh, deux fois. Euh, notre maison, on a, eu, euh, bon, on a eu débordement, inondation. Puis les assurances, c'est comme ils me connaissent. Quand j'appelle, c'est même pas M. Brassard. C'est Hey Guy, ça va? Salut Guy! On... Quand ton assureur t'appelle Gaétan, c'est vraiment, tu y parles trop souvent, là. Et, et la question, lorsqu'une tragédie arrive, ou une tragédie, un pépin, hein, on va relativiser, c'est, est-ce que je suis couvert? La parole de Dieu dit, peu importe si tu es en Jésus, tes péchés passés, présents et futurs, ils sont couverts. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Purifie de tout péché. Donc, repens-toi et reçois le pardon du Seigneur. Donc il est mort. Plus encore, il est ressuscité. Pourquoi c'est important Parce que ça démontre que Jésus a vraiment la capacité de pardonner ton péché. La mort n'a plus le garder. Ok, on va célébrer Pâques bientôt. Imaginons, en plein milieu de la nuit, euh, tu t'ouvres tes yeux puis il y a un voleur dans ta chambre. Et là tu réveilles ton mari. Et là ton mari dit ok. Puis là ton mari commence à se battre avec le voleur. Puis là, il dit va-t'en dans le salon. Va dans... Et là toi tu cours dans le salon. Et là t'entends juste comme Là, à un moment donné, tu entends. Boum. Là, tu entends jusqu'à. En... Tu sais qu'il en reste un. Lequel? Et là, tu attends. Et là, tu attends, tu attends, tu attends. Et là, tu vois un nombre. Qui va sortir? Alléluia, c'est ton mari. Alléluia, c'est ton mari. Donc ton mari est vainqueur. Celui qui sort de la chambre, c'est le vainqueur. Quand Jésus est mort, il est en duel avec la mort. Il est sorti du tombeau. Il a terrassé la mort. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Et non seulement il est vainqueur, mais il n'est pas dans un petit coin. Il est à la droite de Dieu. À la droite du Père. Citation du Psaume 110, qui est le psaume le plus cité dans la Bible. Pourquoi la droite, en passant, pourquoi Jésus est à la droite, pourquoi pas à la gauche? Hein? Je me posais la question, moi je suis gaucher. Il paraît que 10% de la population est gauchère. Est-ce qu'il y a des gauchers ici? Des gens intelligents, brillants, oui, excellent. Pour les autres, je vais vous expliquer, ok? Non, mais sérieusement, c'est que la droite, c'est la, la force. Dans la Bible, la droite, c'est la position de force, d'autorité. C'est pourquoi hein, Dieu va dire, je te, soutiens, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, que Jésus est à la droite, Jésus est à la position névragique, à la position d'autorité. Exemple, parce que je vois des droitiers qui ne me comprennent pas. Il euh, y a un phénomène que j'ai remarqué lié à la croissance de notre Église, c'est que je suis dans mon bureau, puis je vois des gens qui arrivent, puis le stationnement est encore pas tellement plein, et tu stationnes ta voiture le plus proche de la sortie possible. Lève la main si c'est toi. C'est brillant c'est bien parce que tu es, es plus proche de la sortie. La droite de Dieu, c'est le plus proche. C'est le proche de l'autorité, c'est le proche du contrôle, c'est le proche du règne. Et Jésus est là. Et voici ce que ça me dit. Encore une fois, supposons que quelqu'un vient me voir et me dit, OK, je veux tout ton avoir, je veux, je veux prendre toutes tes possessions, toute ta richesse. Mon ami, tu n'as pas choisi le bon gars. Okay? C'est un autre sujet. Tu viens me voir, puis tu veux me dépouiller. Bonne chance. Pourquoi? Parce que je n'ai rien sur moi. Si, à la limite, tu veux me dépouiller, tu as une chose à faire, tu dois te rendre à la banque. Tu dois te rendre à la banque, réussir à te faire passer pour, je ne sais pas, de quelque manière que ce soit, et là, tu vas vider mon compte, mais c'est la seule manière parce que ma richesse n'est pas avec moi. Mon salut n'est pas avec moi, et il est gardé en sécurité avec Jésus au ciel. Mon coffre-fort est au ciel. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Lorsque les épreuves arrivent, lorsque l'ennemi arrive, je sais que Jésus préserve. Qui nous condamnera Personne. Jésus est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il fait Il intercède. Et on parlait tantôt du diable, qui bla 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 bla. bla, bla, bla. OK, il n'y a rien de nouveau. Je connais mes péchés. Dieu connaît mes péchés. blablabla. bla bla bla. OK. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui parle également, c'est Jésus, il plaide pour moi. Il intercède, il est vivant, il intercède. Est-ce que tu savais qu'à ce moment-là, Jésus intercède pour toi? Vous savez, des fois, on a, dans la, la bureaucratie, euh, on, on a un dossier qui n'avance pas. Hein? Il y a des gens au niveau de l'immigration, ta c'est long, c'est long, c'est long. À un moment donné, tu te rends compte que ton dossier n'avance pas, ton dossier s'est perdu. Moi, il m'est arrivé des situations où il y a quelqu'un qui a pris mon dossier et qui l'a mis à la fin complètement. J'aime mes ennemis. Okay? Il traité comme s'il y a des dossiers à un moment donné où tu arrives au travail de différents dossiers. Et ce que la Bible nous dit alors que Jésus intercède, c'est que Jésus s'occupe de notre dossier. Toi, tu es ici. Vous savez, il y a des gens, des fois, tu dis, ah, dimanche, j'ai tellement à faire, il faudrait que je règle ça. Tu as pris la décision d'être ici, tu as pris la bonne décision parce que pendant que tu es ici, c'est pas vrai qu'il ne se passe rien. Jésus travaille sur ton dossier. Jésus s'occupe de tes affaires. Et je termine donc avec cette dernière question. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Ce verset, cette déclaration, cette affirmation est probablement une des plus connues de la Bible. On l'a mis souvent, vous savez, on connaît le verset, mais on ne comprend pas trop le raisonnement de Paul. Hein, on regarde ça et on dit bon, quand Paul va dire. Euh, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Après ça, il va dire euh, « la, la, la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit à cause de lui, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. » C'est comme ça. On a compris la vérité essentielle, mais on ne voit pas les nuances. Alors, vous savez, souvent, la parole de Dieu, c'est comme un enfant qui est très, très faim. Quelquefois, on dévore tout rond. Ça fait la job, mais il y a des moments où on doit savourer pour bien comprendre, se délecter des vérités de la parole de Dieu. Amen Voici, voici ce qui prend en place ici. La parole de Dieu dit qui nous séparera de l'amour de Jésus et nomme des épreuves. Pourquoi? Parce que les épreuves ont la capacité de nous faire remettre en question l'amour de Dieu pour nous. Amen. Pourquoi? Okay. Les chrétiens, est-ce qu'on croit que Dieu est souverain? Est-ce qu'on croit que Dieu contrôle tout? Donc, quand il nous arrive quelque chose, quand il nous arrive une épreuve, un malheur, une tragédie, bien, quelque part, c'est de sa faute. Parce que s'il contrôle tout, pourquoi est-ce qu'il a permis? Et ça, je pense, c'est la plus grande question que les chrétiens se posent. Mais pourquoi tu as permis? Et Paul donne, ne donne pas toutes les réponses, mais il nous donne la réponse qui, devrait, qui est essentielle. Pourquoi Dieu permet des choses? Premièrement, je dis que à la base, la Bible parle beaucoup de souffrance. Quand j'ai appris à faire du vélo à mes enfants, ma fille notamment, ma fille est un peu plus peureuse, puis ma fille aurait voulu que, que je continue à la tenir jusqu'à 37 ans. J'exagère à peine, OK? Euh, puis à un moment donné, bon, je lui dis « OK, vas-y, pédale, papa te tient, puis à pédale, à pédale, à pédale. » Puis à un moment donné, il faut, faut, faut la lâcher, là, hein, parce que le, ça fait partie de l'apprentissage. Le fait que j'ai lâché ne veut pas dire que je, je m'en vais à la maison prendre un café. Je suis à côté, mais il faut. faut que, ça fait partie de la pédagogie. Et là, elle, a tombé, elle est tombée. Puis je me souviens quand elle s'est retournée avec ses yeux de cinq ans qu regardée. <laughs> qu'elle me regardait. Quel mauvais père! <peur. rires> en fait, non, c'est un bon père, c'est qu'à un moment donné, il faut, faut, faut qu'elle apprenne. Il y a une pédagogie. Hein? vous savez, je ne veux pas justifier toutes les épreuves. Je fais juste dire que dans ce monde, pêcheur, où on, nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. Il y a des choses, la souffrance nous apprend des choses, des fois sur Dieu, il y a une pédagogie. Puis on ne comprend pas, mais en même temps, pour faire du vélo, c est, c est, il va y avoir des chutes. Vivre dans ce beau bon monde il va y avoir des chutes. Mais regardez l'espérance. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses poches, est-ce que tout le monde comprend, ça veut dire quoi, les choses poches de la vie? Dans toutes ces choses, et c'est où la dernière fois, on a eu toutes Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Co comment est-ce qu'on peut être plus que vainqueur dans, dans ces choses poches? Parce que dans ces choses poches, Dieu nous fait la promesse qu'un jour, on va réaliser que le mal qu'on a vécu, Dieu l'a transformé pour notre bien, pour sa gloire éternelle. Vous avez déjà entendu parler de l'avion... Euh, vous savez, il y a un film qui était fait Sully, je crois. Il y a un avion sur, euh, en 2009. Donc, un avion est décollé. On appelle ça le miracle de la rivière Hudson. Je cherchais le mot. Euh, puis, il y a des bernaches qui sont arrivés dans les moteurs. les deux moteurs ont lâché. Et ce que le commandant Sully a fait, c'est que l'avion était sous le pilote automatique. Il a enlevé le pilote automatique, a pris les choses en main. Là, je vous rappelle, il n'y a plus de moteur. L'avion est en train de planer en haut de Manhattan. Tu n'as pas d'endroit où tu peux atterrir. C'est une catastrophe. Et le seul plan possible pour survivre, c'est d'amerrir sur la rivière Hudson. Chose qu'il a fait. Vous savez, dans nos vies, des fois, la vie t'envoie des, des, des bernaches où tes moteurs vont sauter. Puis des gens, t'es ici, t'en vas le planer. Puis tu te dis, ça y est, je vais crasher, je vais crasher, je vais crasher, je vais crasher, je vais crasher. la Bible dit seulement que ta vie n'est pas sur pilote automatique. Dieu contrôle ta vie. Et Dieu te promet que tu vas bien atterrir un jour. Un jour. Un jour. Un jour, un jour. on va réaliser. Pas maintenant, un jour. Mais la Bible dit que pour l'enfant de Dieu, tu ne crasheras pas au nom de Jésus. Et c'est là qu'il parle. Toutes choses, nous sommes vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez-vous, l'amour de Dieu revient parce que oui, souvent on doute. Si tu es comme moi, il m'arrive quelquefois de douter de l'amour de Dieu pour moi. Si ça t'arrive, tu es un chrétien qui doute de l'amour pour toi, félicitations, tu es normal. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La preuve de l'amour de Dieu pour ses enfants n'est pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la providence de Dieu dans l'épreuve qui fait en sorte qu'il transforme le mal de l'épreuve un jour dans le bien pour sa gloire. C'est-à-dire, je contextualise, la parole de Dieu dit qu'un jour Dieu aura le dernier mot. Ta vie n'est pas le dernier mot de Dieu. Présentement, ce que tu vis, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et regardez comment l'apôtre Paul termine. Car je suis persuadé. Wow. L'apôtre Paul, en passant, a vécu tous les malheurs qu'il qu présente ici, là. Il les a vécus. Les deuils, les naufrages, il a tout vécu ça. Et il commence en affirmant la parole de Dieu, puis il termine en disant, voici ma conviction de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est facile de citer des versets bibliques, mais c'est pas mal plus difficile de les vivre? Ah, on est bon là-dedans, on connaît la parole de Dieu, on peut les citer, les citer, les citer. Moi, là, je suis honnête avec vous. Le dimanche, c'est facile des fois de déclarer des choses, mais le mercredi matin, c'est pas mal plus dur de les vivre. Que tous les pécheurs comme moi disent Amen. Hein? C'est-à-dire, regarde. Mais Paul dit :« Je suis persuadé. » C'est pas juste la parole de Dieu, c'est sa conviction. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Alléluia. Mon ami, à toi qui souffres, à toi qui as le goût d'abandonner, à toi qui es fatigué, à toi qui se pose des questions, à toi qui doute, à toi qui remets Dieu en question, à toi qui es vraiment Jésus. Ta vie n'est pas parfaite, mais tu es un enfant de Dieu. Rien ne te séparera de l'amour de Jésus. Pas la mort, pas les deuils, tu vas perdre des bien-aimés, ça ne te séparera pas de l'amour de Jésus. Mais ta propre mort ne te séparera pas de l'amour de Jésus. Plus encore, ça va être des retrouvailles. Ni la vie. Aucune naissance, aucune absence de naissance, aucune maladie. Aucun divorce, aucune épreuve ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Ni les anges, ni les dominations, aucun démon n'est assez puissant pour te séparer de l'amour de Jésus. Ni le passé, ni ton présent, ni ton futur ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Rien dans l'univers n'est assez puissant pour te séparer de l'amour de Jésus. La Bible dit il n'y a aucune créature, il n'y a personne sur cette terre. Tu peux te séparer de l'amour de Jésus. Même quelquefois Jésus te garde de toi-même. Aucune circonstance. Rien, 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 rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus. Est-ce qu'on peut dire? Rien. rien. Nothing. Nada. Rien. Niente. Rien. Anien. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on peut dire alléluia en terminant? C'est la parole de Dieu pour ce matin.